Départ de la 7e, le prix Louis Saulnier, un Méden pour des poulains de 3 ans, 2200 mètres à parcourir, une swoop. L'un des favoris de cette course est bien parti, tout comme l'autre favori, Salesman, au centre de la piste et à l'extérieur. Pardonne-moi, le numéro 5 qui fait mouvement, Kazakh Orange, Litigator, le numéro 2 qui est bien parti également, côté corde. Pour se diriger vers le premier tournant, Pardonne-moi, qui se rabat en tête. Salesman, également l'accélération de Boken à l'extérieur, le numéro 8. Litigator qui vient ensuite quatrième avec également Inswoop. Débute en compétition, Stranger qui est à son extérieur. Et un autre débutant, le numéro 12, Mission Impossible, qui vient plutôt à l'arrière en compagnie d'Epic Tail, le numéro 3, Kazakh Devin, Kazakh Blanche, Losange Noir, qui est à la corde en compagnie non loin de Vladimir. Et du numéro 7, Giorgio, qui ferme la marche. Début de la ligne d'en face, Pardonne-moi, Salesman, qui sont aux deux premières places, avec Inswoop, le numéro 10, qui patiente juste derrière eux, Boken également. Un petit peu plus loin, Stranger, en compagnie de Litigator, avec Epic Tail, qui est toujours côté corde. Mission Impossible, les deux mêmes à l'arrière, à savoir Vladimir le numéro 4 et Giorgio le 7. Le train est régulier, Pardonne-moi, qui a toujours l'avantage, qui emmène Inswoop, avec à son extérieur Salesman, les deux favoris qui sont deux troisièmes qui se marquent de près. Boken qui est pour l'instant quatrième position, toujours devant Litigator avec Stranger, et Pictel qui se retrouve côté corde un petit peu plus loin, tout comme Mission Impossible. Giorgio et Vladimir sont à l'arrière. Le tournant, Pardonne-moi, toujours épaulé Salesman avec Inswoop, également Boken qui vient en quatrième position, Litigator, Stranger qui va tenter de revenir, tout comme Epic Tail qui est côté corde, Mission Impossible, Sollicité qui va tenter de revenir mais qui est encore assez loin, phase finale, Pardonne-moi, qui subit l'attaque à cet instant de Salesman, avec surtout Inswoop maintenant qui va tenter de débuter victorieusement, qui tente de prendre l'avantage, mais Salesman également qui lui offre une belle réplique, une lutte à deux côté corde, Epic Tail qui tente de revenir avec Litigator également, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, c'est Inswoop qui a l'avantage maintenant, même si Salesman va tenter de revenir, Litigator qui lutte pour les places, mais Inswoop qui a l'avantage et qui va débuter victorieusement, Inswoop, Pierre-Charles Boudot qui débute victorieusement, la deuxième place va revenir peut-être au numéro 2 Litigator devant le 9 Salesman, la quatrième place pour le